28 décembre 2023, nous sommes à 3 jours, 3 à 4 jours de la publication provisoire des résultats de l'élection du 20 décembre 2023. Entre-temps, les résultats partiels, les dernières compilations placent Félix-Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20 à la tête avec plus de 7 millions de voix. Avec 77,35%, Moïse Katumbi, deuxième avec 15,11%, et Martin Fayoulou, troisième avec 3,89%. L'actualité ce matin, madame, monsieur, c'est la marche d'une partie de l'opposition qui a été étouffée par la police. La police qui dénonce l'utilisation des mineurs par les organisateurs de la marche. Et en ce qui concerne le bilan, du côté des Martin Fayoul, on parle de 11 blessés. La police, lui, a relevé 2 blessés. Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, Ensemble pour la République dit ne pas aller à la Cour constitutionnelle. Ensemble n'ira pas à la Cour constitutionnelle en contentieux, car, a dit le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, il qualifie la Cour de dernier maillon de l'axe de mal. Analyse des commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont à 2 ce matin. Alain Bouloudjoua sera face à Eugène Kandolo. Encore une fois, bienvenue. Alain Bouloudjoua, bonjour, merveux. Bonjour madame, merveux à vous également. Bonjour à mon co-débatteur. Voilà. Votre co-débatteur, c'est Eugène Kandolo. Oui. Bonjour madame, bonjour Alain, c'est un plaisir de te revoir et meilleurs vœux à vous tous. Merci. Merci. Vous deux, c'est la première fois avec moi. Avec vous, c'est la première fois, mais ça fait plus d'une dizaine d'années. Oui, depuis 2011. Voilà. Avec Serge Kabongo. Oui. Voilà. Alors, et même ailleurs aussi, en fait, quand on parle de depuis 2011, on s'est vu sur le plateau depuis. Ouais. Ok, ouais. Alors nous allons parler actualité avec vous. Je commence... Avec Alain Bouloudjoua, les résultats partiels de la présidentielle, Félix Tshisekedi toujours en tête. Comment est-ce que ça vous fait réagir? Personnellement, je reste dubitatif. Je ne crois pas trop en ces processus, justement parce qu'il y a eu beaucoup de faiblesses. Déjà dès le départ, je n'ai pas soutenu ces processus. Peut-être vous serez surprise, madame, je n'ai pas de carte d'électeur. Je ne me suis pas engagé dans ces processus justement parce que le prémisse étant déjà fausse, je ne pouvais pas prendre les risques d'entrer dans cette aventure, dans ces banditismes que vous appelez élections. Alors, apparemment la CENI est en train d'exécuter ou d'appliquer une formule qui a déjà été trouvée bien avant. Peut-être que les gens ne le savent pas. M. Kadima a été choisi essentiellement pour ça. C'est-à-dire qu'il a été choisi pour faire de Félix Tshisekedi élu. C'était connu d'avance. Malheureusement. En tout cas, c'était connu. Mais les gens, ils sont quand même entrés dans le processus. Oui, mais vous risquez là de mélanger les questions parce que je vous donne ce que je pense, pas ce que les autres ont fait. Je considère que, effectivement, M. Kadima, ayant été choisi à dessein par M. Félix Tshisekedi, il n'avait que ça comme mission. Alors, la grande question que l'on doit se poser, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'accompagnent ont eu à faire en termes d'évaluation du processus de 2018? En 2018, effectivement, le processus était émaillé de beaucoup d'irrégularités. Il y avait beaucoup de problèmes en termes de compilation. Il y avait absence de transparence. Ça, c'est ce qu'eux-mêmes m'ont dit. Dans la loi révisée, la loi électorale révisée. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont fait pire que ce qu'ils ont fustigé en 2018. Et pourtant, en 2018, M. Félix Tshisekedi était proclamé élu avec 7 50 000 voix. Et ce qui est surprenant, aujourd'hui, ils sont dans la même posture que 2018, mais cette fois-là, ils applaudissent. Madame, comment peut-on évaluer l'action de la CENI en 2018 en reprochant à cette CENI l'irrégularité dans ses actions, en reprochant à cette CENI la faiblesse en termes de compilation, en reprochant à cette CENI
le déficit de transparence, en reprochant à cette CENI la confusion sur la loi et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est buté au même problème. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a fait que du copier-coller et pour son intérêt. Vous dites qu'on a présenté le résultat partiel. On est en train de publier les résultats partiels. Au même moment, nous voyons certains candidats de l'Union sacrée fustiger le fait qu'ils auraient distribué les machines pour faire élire soit leurs députés, soit M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous pensez que ces résultats-là seront acceptables. Si vous pensez que vous êtes dans le bon, peut-être ça sera juste une proposition que je voudrais vous faire. Amener toutes les listes signées par les votants. Que l'on arrive à comparer la liste de votants et la fiche des résultats ou sinon le procès verbal par bureau. Ouais. Comme ça, on saura si effectivement le nombre que vous reconnaissez à M. Félix Tshisekedi correspond au nombre de vrais votants. Parce que chaque fois quand on entre dans un bureau de vote, on est appelé à signer une fiche que l'on vous présente. On est obligé de signer, n'est-ce pas, la liste de votants qui se présente, je crois, au niveau de l'assesseur. C'est l'assesseur qui a généralement une liste. Vous arrivez, vous présentez votre carte, vous votez, à la fin, vous signez un document. On doit comparer cette liste-là et le nombre de votants. Vous allez vous rendre compte que le vote a été organisé en dehors du bureau légal. Et donc, moi, personnellement, je considère ça comme du banditisme électoral, nullement un processus électoral. Donc, pour Alain Bolodja, la publication bureau des votes par vue de résultats, ça ne suffit pas. Non, mais vous publiez les résultats bureau de vote par bureau de vote sur base de ce que vous avez comme fiche des résultats établis dans de qui j'ai de partis politiques. Si vous voulez aider la République, bien que je ne crois nullement en votre honnêteté, en votre sincérité, montrez-nous aussi les listes de votants par bureau. Comme ça, on saura si effectivement ça correspond au nombre tel que publié. Parce que j'ai vu dans certaines communes, telles que dans certaines circonscriptions, telles que Mongafula, j'ai vu les gens se plaindre, disant que effectivement il y avait bourrage de machines avant même l'ouverture du bureau. Et on a cité le nom d'un ministre. Okay. Voyez-vous, donc moi personnellement, je comprends parce que M. Félix Tshisekedi est né dans ces circonstances. Et je comprends qu'il soit entouré par des gens qui ont aidé Kabila à tricher en 2017, en 2011, en 2006, 2011, 2018. Je comprends qu'au regard de ces réalités, que nous n'ayons pas de... D'ailleurs, il n'y a pas eu d'élection. Si on a le courage de... Merci Alain Bolodja. Mais tout à l'heure, vous avez cité les gens de l'Union sacrée qui ont dénoncé. Il s'agit de qui, par exemple? Comment il s'appelle, Nembalemba par exemple. Oh, merci. Eugène Kandolo. Je n'ai même pas fini. Eugène Kandolo, vous devez revenir à vous. Eugène Kandolo, sûrement vous n'avez pas la même lecture. Hein, tout à fait. Déjà que lui n'a pas de carte d'électeur, moi j'ai une carte d'électeur. Donc dès le départ, il a voulu faire un vide. Alors que tout étant républicain, il sait que la République devrait continuer. La République ne peut pas s'arrêter. Imaginez que nous tous, nous avions fait comme lui et que nous n'avons pas pris de carte d'électeur. Ça veut dire qu'on aurait quoi? Un monstre où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'institution. Donc, il y aurait un vide. Donc, en responsable, nous sommes allés nous enrôler parce que nous savons que c'est un processus humain qui peut avoir des imperfections, mais nous croyons à la République. Parce que c'est une sorte de lâcheté que de s'absenter au rendez-vous, en fait, de notre destinée. Et c'est très important ici de rappeler que au-delà d'être un devoir civique, c'est un droit que nous devons exercer, le droit de vote, mais aussi le droit de contrôler. Parce que mon ami Alain aurait pu encore davantage faire, dans son élan de vouloir contrôler et d'être éveillé, d'être dans le processus pour mieux, en fait, avoir des éléments à redire là-dessus. Mais dès lors que, au départ, il s'absente, il botte en touche, ça veut dire qu'il remet même en cause, en fait, l'avancement de la nation. Maintenant, rentrons sur la question qui a été posée, j'ai vu que il a eu un peu du mal à répondre à cela dans la mesure où tantôt il évoque que ceux qui ont aidé Kabila hier
ont aidé Félix aujourd'hui à tricher. Tantôt, il dit que Kadima a été mis pour cet objectif-là, alors que Kadima n'a pas travaillé avec Kabila. Et donc, je comprends que... Il était aussi dans le bureau. Il était aussi dans le bureau de la CENI. Non, Kadima n'était pas dans le bureau de la CENI. Il a toujours été dans le bureau de la CENI. Non, Kadima travaillait pour l'EISA. Oh, okay. C'est un expert électoral qui a travaillé pas seulement ici, mais vraiment dans une très grande partie de l'Afrique. C'est à cause de son expertise, ah oui, effectivement, qu'on est allé. Voilà. Là, vous confondez avec Malonda, Malonda qui était effectivement secrétaire exécutif en son temps, à l'époque du nouveau rebelle Nanga. Alors, donc, pour rentrer dans le processus, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes du processus de 2018 tout de suite? À moins qu'il y ait une mauvaise foi, on peut constater qu'il y a des choses qui sont différentes du processus de 2018. Premièrement, en 2018, et tous les opposants ont crié ici, on voudrait avoir les résultats affichés bureau par bureau. Quand on a commencé à afficher, ils ont directement commencé à chercher à faire des sécessions. Des autres ont commencé à faire le soulèvement. Et pourtant, c'est eux, dès le départ, qui en avait fait une question de vie ou des morts en disant qu'on doit afficher le résultat sur tous les bureaux de vote, et on a commencé à les faire parce que le constat était cuisant, parce que on a vu que dans presque tous les bureaux, pour ceux qui sont allés voter, sauf Alain qui était à la maison et qui n'a vu que les gens de Mongafula qui se plaignaient, mais pour nous qui étions sur terrain, qui étions allés voter, on a constaté que dans la plupart des bureaux, dès que ça se terminait, on affichait et que Félix était en tête. Et ça, c'était au vu au-dessus de tout le monde. Et directement, ça a remis en cause l'élan et l'excès des ailes qu'il y avait dans certains opposants. Et ils ont commencé, certains ont appelé à la sécession d'une partie de la République si jamais il ne passait pas, mais alors que les résultats n'étaient même pas encore publiés. Et c'est sur base des affichages qu'eux, ils avaient réclamé. Ça, c'est un point. Deuxième point par rapport à cela, vous voyez qu'on est en train de publier les résultats partiels. Les résultats partiels. Les quelques cas qu'ils soulèvent ici, il ne faut pas imputer, à moins qu'il y ait une mauvaise foi, certains désordres que l'on a enregistré comme si c'était quelque chose de concocté ensemble, parce que sinon l'Union Sacrée a aligné combien de candidats? Si c'était l'idée que l'Union Sacrée ait des machines, ça veut dire que tout le monde aurait des machines, on aurait plus de députés que le nombre des 500. Ça veut dire que ça ne tient pas, même logiquement ça ne tient pas. S'il y a quelques individus qui peuvent se retrouver dans l'Union Sacrée ou dans l'opposition, qui ont de velléités, parce que nous l'avons constaté aussi au travers de ces élections, que le niveau d'élan de vouloir corrompre, de vouloir tricher, dépasse même Kadima, dépasse même Tshisekedi. Les gens, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont une crise d'éthique, qui ont une crise de moralité, des gens qui veulent. Et ça, il ne faut pas l'imputer ni à la CENI, ni à Félix Tshisekedi. Et si on est honnête, on doit remettre en cause les questions de mentalité de notre propre société. Parce que, comme on l'a vu, s'il dit qu'il y a des gens de l'Union Sacrée qui pleurent, ça veut dire que ce n'était pas une cabale de l'Union Sacrée contre la République. S'il dit qu'il a vu quoi, des gens... ça veut dire qu'il y a quelques individus qui ont voulu s'adonner à ça. Et même le président de la CENI, au micro de Patient Ligodi et mon ami de 7 sur 7, Israël Moutala, répondant, il a reconnu qu'il y a des choses, parce qu'ils ont tout fait pour que le processus soit maîtrisé, mais il a dit... Nous n'avons pas compté sur il a utilisé un terme sur le génie immoral de certains candidats. Et donc, quand on fait des analyses, il faudrait bien situer les responsabilités, qui a fait quoi, dans quel objectif et qui n'a pas fait quoi. Et ça, c'est très important de le faire. Par rapport au reste, je crois que... Justement, par rapport aux responsabilités, Jeanne Kandolo, vous voyez que le désordre qui a entouré les irrégularités, il faut l'appeler comme ça, qui a entouré l'organisation des élections, qui a donné l'occasion aux opposants de fustiger même le résultat. S'il n'y avait pas ces irrégularités... Non, mais les désordres viennent d'où? C'est en fait la question qu'il faut poser. Il y a un problème d'incivisme. Il faut pas qu'aujourd'hui, on se dédouane en tant que peuple. Il y a un certain nombre de choses qu'on devait faire. Donc, il y a un problème d'incivisme. On ne pouvait pas arrêter.
quand non, tu ne peux pas arrêter, quand tu ne peux pas... Quand les mentalités sont défectueuses, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas Kadima qui est chargé de questions de mentalité. Donc, il vient comme expert pour organiser des élections, mais dans un contexte où il y a une population, où il y a des acteurs qui ont leurs agendas cachés, quelle que soit leur couleur, parce que en fait, la classe politique, il faut la prendre dans l'ensemble. Aujourd'hui, l'opposition qui crie, parce qu'en introduction, vous avez parlé notamment de la marche d'hier. Mmh. Aujourd'hui, c'était prévisible. C'était prévisible. Aujourd'hui, l'opposition veut prendre ses propres faiblesses, son échec, et mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Qui les avait envoyés aujourd'hui, au-delà du fait qu'ils étaient dispersés? On les a vus se rentrer les dents les uns les autres. On a vu Moukoué dénoncer le processus mafieux de l'Afrique du Sud. On a vu Devos passer. Ils pensaient que ça contribue à quoi? Mais c'était la déchéance. Chacun accusait l'autre. On a vu les gens des Katumbi accuser Fayoul d'avoir mangé l'argent de Félix. Et vous pensez que ça vous a sens, ça vous donne beaucoup de voix, mais ça vous diminue, ça vous rend moins crédible dans l'opinion. Et la conséquence, c'est ce que nous avons vu là, les résultats soviétiques un peu partout, sauf dans quelques parties comme au Katanga, au Lualaba, où Katoum vient en tête, mais de manière générale, la tendance a été remarquée que les gens ont voulu consolider les acquis, et voter pour les sérieux, voter pour ce qui est crédible, pas pour l'incertain, pas pour ce qui est juste du vent. Alors, qu'est-ce qui explique que Katumbi soit en tête dans le Katanga? C'est parce qu'il est ressorti. Bon, mais c'est tout à fait normal. Il a été gouverneur pendant plusieurs années là-bas, mais aussi ça, son ancrage. Vous voyez, c'est un parti politique beaucoup plus provincial. Il y a tant, même, c'est le rare de parti dont le Kijé est dans une province. La plupart de partis politiques, on sait pour la plupart c'est surenseignement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas surenseignement, mais la grande concentration de partis politiques, c'est surenseignement. Donc c'est ici à Kinshasa, le seul parti dont le siège national se trouve en province, c'est ce parti-là. Et par conséquent, c'est là son fief naturel, c'est là qu'il fait son ambiance. Mais malheureusement, il ne faut pas définir la République par rapport à une partie de la province. Quand on est populaire dans son quartier, ça ne veut pas dire qu'on fait une on extrapole pour dire que bon voilà, on devient populaire à Kinshasa. Il ne faut pas confondre en fait le fait que les gens peuvent être fanatiques d'une équipe que tu as dirigée et le fait qu'ils peuvent adhérer à ta vision parce que tu n'en as pas une, parce qu'on l'a vu pendant la campagne, à part des dictons et des trucs var, il n'y avait pas un programme, il n'y avait pas une vision, il n'y avait pas en fait une cohérence dans la façon de gérer la République dans les 5 ans à venir. Et la seule personne qui l'a fait, c'est Félix Tshisekedi, parce qu'il a battu campagne dans toutes les provinces, il a mais fait 53. Il a eu beaucoup de voix à Kabé, à Kamwanga par exemple, là aussi c'est parce que c'est son fief. Bon, mais il a eu beaucoup de voix à Kinshasa. Il y a eu beaucoup de voix à Kinshasa. La tradition dit que Kinshasa vote toujours opposition. Et ça, c'est pour la première fois. Ça démontre que, en fait, la République commence à vivre. Parce que Kinshasa, c'est le thermomètre même, en fait, du maillage, de cette complicité entre le peuple et son président. Et pour la première fois, Kinshasa vote le président en place. Alain Bolodja, vous avez parlé tout à l'heure là comme Moïse et comme Olivier Kamita, tous les porte-parole de Moïse Katumbi, qui a d'ailleurs été traité la Cour constitutionnelle de dernier maillon de l'axe du mal, c'est-à-dire qu'il savait déjà ce qu'il a dit, qu'il y aura fraude, mais ils sont quand même allés aux élections. C'est ça la grande question que les gens se posent à la Cour constitutionnelle lorsque on a reçu la candidature de Moïse Katumbi. Là, c'était pas les maillons de l'axe du mal. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Madame, peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. Notre ami a pris beaucoup de temps. Vous aurez aussi votre temps. J'exige l'équité. Ouais. Bon, j'ai suivi le contradiction de notre ami. Il considère que c'est de la lâcheté le fait d'avoir refusé de se conformer à ce que lui-même a appelé l'immoralité. Je dirais l'immoralité collective. Non, l'immoralité n'est pas dans plaît, les élections. S'il vous non, plaît, attention. Vous avez considéré ça comme de l'immoralité collective. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit qui a été imprimé dans les esprits de Congolais pendant des années. Et donc, pour se conformer à cette immoralité, il fallait à tout prix participer à ces processus électoraux. Et ce qui est surprenant, il n'a jamais établi la responsabilité des Nanga, de Kadima. C'est tout de même surprenant. Vous avez tenté de lui rappeler que la CENI a été placée là justement pour éviter à ce que les éléments malicieux influent sur le processus électoral. Nous parlons là des machines, madame.
Il n'y avait que la CNI qui avait la latitude ou la compétence de gérer ces machines. Il n'y avait que la CNI. Vous ne pouvez pas me dire, non, voilà, le ministre de la Défense n'a pas la responsabilité lorsqu'on trouve des armes dans les maisons des gens sans avoir l'autorisation. Tenny Kadima dit, même la CNI a été attaquée, c'est-à-dire que la CNI elle-même aussi, elle était victime de cette intolérance. Vous voulez me rendre responsable de ça? Ça fait partie de ses responsabilités. C'est-à-dire que la CNI aussi a subi. Non, mais attendez, ça fait partie de ses responsabilités. Qu'a-t-elle fait, cette CNI? Parce que ça devait se suivre des sanctions. Elle va annuler les résultats de les bureaux où on va dénoncer la fraude. Elle va annuler. C'est-à-dire qu'elle reconnaît quand même qu'il y a eu irrégularité. On va annuler là où il y a eu des problèmes. C'est parce que les autres ont fustigé et ils considèrent pour sa part qu'on peut annuler. C'est-à-dire qu'il reconnaît à l'État le droit d'annuler de mauvaises élections. Voyez-vous, c'est ce que moi j'appelle l'antinomie. Ils sont dans la contradiction. Notre ami reconnaît qu'effectivement il y a des gens qui ont usé de leur influence pour gâcher la fête les élections que lui considère comme une fête. Et nous nous rendons compte que ça a été généralisé. Madame, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais vu quelqu'un être arrêté du fait d'avoir détenu des bulletins de vote, plus de 3003 machines à voter. Allez-y aujourd'hui à la police, il y a des gens qui ont été arrêtés. On a arrêté même la sentinelle. Mais c'est bien fait. Non, mais attention. Si c'est bien fait, alors établissons les responsabilités. Comment la machine de la CNI pouvait se retrouver auprès d'un militant ou d'un candidat de l'Union sacrée? Dites-moi, comment ont-ils procédé? Et puis, deuxièmement, comment allaient-ils opérer pour arriver à insérer toutes ces voix au niveau de la compilation? S'il n'y a pas eu complicité, dites-moi, madame. Dites-moi, on trouve quelqu'un avec des machines, c'est la police qui l'a arrêté. Avec 3000 bulletins de vote en faveur du candidat Félix Tshisekedi. Une seule personne qui arrive à voter 3000 fois. Et vous pensez que j'ai été lâche, le fait d'avoir refusé d'assister à ce banditisme électoral? Je préfère plutôt rester dans la loi, rester dans mes valeurs, que de participer à une forfaiture au nom de la coutumance. Malgré cela, l'ensemble n'ira pas en cours. Madame, je ne peux pas répondre à la place de l'ensemble. Allez, en compte, sinon vous analysez par rapport à cela. Non, mais effectivement, quand vous insistez sur ensemble, vous risquez de donner l'impression comme s'il n'y a personne d'autre qui peut réfléchir autrement. Moi, je considère qu'il n'y a pas eu élection du tout. Parce que le fait seulement que la population n'a pas eu la possibilité de voter les personnes de son choix, il n'y a pas eu élection. Peut-être que nos amis ne le savent pas. Nous nous sommes battus pour que nous ayons ces élections, les élections dans ces pays. Nous avons sacrifié notre jeunesse. Nous nous sommes battus pour avoir cette fameuse constitution. Bien que je ne la soutienne pas dans l'absolu. Nous sommes battus pour imposer le système électoral dans ces pays. C'est notre lutte, c'est notre combat. Et donc nous avons besoin effectivement d'avoir de bonnes élections. Mais ce n'est pas le fait que tout le monde veut s'accoutumer, que l'on doit les suivre à la queue leu, aller participer à ces banditismes électoraux, et à la fin on va se dire, voilà, parce que vous n'avez pas participé, parce que vous n'avez pas voté, donc vous n'avez pas le droit d'en parler. Apparemment c'est ça, c'est ce qu'il veut insinuer. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont participé dans ces banditismes qui ont droit à la parole. Mais vous faites quoi de mon droit politique? Vous faites quoi de mes droits en tant que citoyen? Si problème il y en a. Alors, oui, vous avez ajouté quelque chose. Ce qui est vrai, c'est que Kadima a été préparé. Peut-être notre ami ne le sait pas. Vous connaissez Roger Bimoila? Peut-être vous ne le connaissez pas. Peut-être qu'il y a des chapitres qui vous échappent. C'était lui qui était présenté comme candidat de l'armée du salut. Pendant qu'on choisissait Malonda. Peut-être vous ne le connaissez pas. Il a été visité. Vous m'avez interdit de parler quand vous parlez. Non, mais effectivement, je pose des questions. Vous pouvez noter. Non, vous ne répondez pas à sa question. Vous pouvez noter. Vous pouvez noter, cher ami. Nous sommes en débat. Vous restez avec une minute. Oui, vous, en bon. Vous avez beaucoup parlé. Allez-y. En bon, vous voulez comparer le temps de parole que m'a accordé à. Allez-y. Madame, ce qui est vrai, M. Félix, c'est qu'il a commencé à se préparer pour avoir Kadima. Kadima est l'exécutant d'une vision néfaste, une vision indécotable imprimé par M. Félix Tshisekedi il y a bien longtemps. M. Félix Tshisekedi a approché Roger Bimoila pour le décourager à être candidat de l'armée du salut.
C'est comme ça que Kalima est arrivé là, pour les premières élections du président de la CENI, comme candidat de l'armée du salut. Alors, posez la question à M. Roger Bimois là. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse décider en dernière minute? Parce que la présidence est intervenue. Merci Alain Bologna. Vous avez, madame, je pose une l'égalité, question, madame. Allez-y, madame, je pose une question. Je pose une question. Ok, posez la question. Alors, apparemment, c'est déjà entendu, du déjà vu, parce qu'on a vu dans le cycle passé. C'est la même chose qu'on reprochait à Maloumalou, qu'il était proche du pouvoir. Après Maloumalou, c'était qui après Maloumalou? Ngoï Moulunda, proche du pouvoir. Après Ngoï Moulunda, Denis et Corneille Nanga, proche du pouvoir. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est Denis Kadima, proche du pouvoir, finalement. Mm-hmm. C'est chaque cycle comme ça. Non, mais si on manipule les présidents de la CENI. Mais bien évidemment, M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas gagner s'il n'avait pas la maîtrise du système électoral. Et d'ailleurs, quand vous me posez la question par rapport à ce que Olivier Kamita a dit, apparemment, il a dit en retard, moi je l'ai dit bien avant. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a fait chambarder l'ordre institutionnel de la Cour constitutionnelle? Pourquoi a-t-il fait partie 5 juges? Bon, je dirais 4, parce qu'il y a un décès. Il a nommé 5 juges en violation de tous les grands principes. L'article 158 de la Constitution et l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'était justement parce qu'il voulait avoir ces gens à lui. La Cour constitutionnelle était légitime, maman. La Cour qui a reçu et accepté la candidature de Moïse. Non, mais parlons-en, parlons-en, madame. Pensez-vous vraiment que M. Moïse Katumbi avait toutes les qualités pour être candidat? Il y a eu un arrangement entre M. Félix Tshisekedi et les autres. M. Félix Tshisekedi n'avait pas le droit de postuler le fait d'avoir changé les éléments du nom. M. Félix Tshisekedi a un problème avec son identité scientifique. Là, vous n'en parlez pas. Il y a eu un arrangement entre partis. Ils se sont décidés, ok, si vous ne voulez pas abandonner la démarche dans l'idée de rejeter la candidature de Moïse Katumbi, voici d'autres éléments contre vous. Alors, la Cour constitutionnelle n'a trouvé que le juste milieu. Il y a eu un arrangement, madame, pour qu'on accepte la candidature de M. Félix Tshisekedi et de M. Moïse Katumbi. Donc, chaque fois, il y a un arrangement dans chaque... Non, mais effectivement, c'est ça, son caractéristique. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il vit. Il veut nous imposer l'immoralité dont parle notre ami. Alors, les premiers immoraux, on les retrouve au niveau institutionnel. Tenez, madame, comment sommes-nous arrivés à avoir le secrétaire exécutif national de la CENI? Quelle était la démarche? Non, vous faites encore une marche en arrière. Mais vous évaluez quoi au juste? S'il y a des contestations, il y a de la Cour constitutionnelle. Non, mais madame, on vous dit que la Cour constitutionnelle fait partie de cette mauvaise organisation des élections. Je vous dis qu'on a eu à chambarder l'ordre institutionnel de la Cour constitutionnelle avec 5 juges qui sont entrés par des voies scabreuses. Voulez-vous qu'un homme sérieux, peut-être notre ami qui veut se comporter peut-être en kamikaze, il veut aller dans ces processus, peut-être qu'il n'est pas encore déçu. Il va revenir ici pour vous dire qu'effectivement, les élections ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités parce que lui compte encore sur la CENI. Mais lorsqu'il sera déçu, il viendra ici pour vous dire la même chose. Donc il faut comprendre, madame, qu'il n'y a pas eu élection. Ça, c'est un banditisme électoral. La seule voie qui reste au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, c'est l'article 104. Mais ce qui est surprenant... Si on publiait les contraires alors, si on ne publiait pas aujourd'hui... Non, mais voilà si pourquoi... Madame, vous faites une fixation sur la personne de Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis, les élections n'ont pas été organisées. Ah, si je comprends bien, même si on publie notre personne... Même si on publie Martin Fayoum, il y aura contestation et ceux qui vont contester auront totalement raison. Merci. Même si on publie Moïse Katumbi, il y aura contestation parce que les élections étaient mal organisées. On a trouvé des machines à voter ou à voler dans des parcelles, dans des maisons des gens de l'Union Sacrée. Alain Mouloudia, si on publie aujourd'hui, Martin Fayoum va refuser. Non, mais s'il ne refuse... Non, mais attendez, Martin Fayoum n'est pas la référentielle de la gouvernance, hein. Non, ne pensez pas que tout ce qui est bon. Non, ouais. Attention, madame. Ne pensez pas que tout ce qui est bon pour Martin Fayoum est bon pour la République. Hein. Merci. Alors, voilà. Jeune Kandolo, comment est-ce que vous réagissez lorsque on porte des critiques sur la Cour constitutionnelle? On a suivi l'ensemble, Mouloudia également, et on dit que la Cour est à la solde du pouvoir. Je suis quand même assez étonné de voir que. Mon ami Bologna dort à la Cour constitutionnelle et qu'il a été témoin des arrangements dont il est le seul Congolais illuminé à avoir la primeur. Je ne sais pas comment il invente ça,
Donc, qu'il y ait arrangement pour qu'on laisse les deux candidatures, la candidature de Félix et de Katumbi. Mais bon, je concède, je crois que c'est un débat sur lequel je ne peux pas entrer, parce que, à moins qu'ils me disent qu'il était greffier ou juge à la Cour constitutionnelle, et qu'il a participé à ces arrangements-là qui feraient que Katumbi et Tshisekedi se mettent d'accord pour être de candidats. Et pourtant, nous tous, nous avons vu combien c'était agité, c'était tendu. Et effectivement, un peu comme lui, plusieurs Congolais, moi également, je pense que Katumbi ne méritait pas d'être retenu comme candidat, mais la Cour a décidé. Et c'est ici le lieu de relever le fait que, en son temps, Hervé Diakhese et surtout Kamita Toudon Déor étaient en délectation pour dire que voilà, c'est vraiment cette Cour que nous voulons, c'est une Cour vraiment qui est objective. Mais alors que la Cour n'a même pas encore statué, parce qu'il faut attendre les résultats provisoires du 31 décembre et puis attendre les contentieux électoraux et in fine, la décision de la Cour, le même Kamita Tou s'exhibe dans d'autres sorties en disant que c'est une Cour qui a été commise là pour achever une sorte de, je ne sais pas moi, comment il appellerait ça, c'est une Cour qui est à la solde de Félix, mais elle n'était pas à la solde de Félix. Gardez maillon des lacs. On a, voilà. Comme il aime bien de mots scrabble et pour impressionner les gens avec le vocabulaire. Mais par conséquent, on constate qu'il y a une contradiction dans la façon même de réfléchir, et ça fait moins sérieux. Parce que tu ne peux pas, selon les temps et les circonstances, changer des avis aussi comme une sorte de caméléon facilement. Ça remet en cause en fait le pouvoir de ta parole. Ça remet en cause en fait le poids de mots. Austin disait qu'en dire se faire. Quand vous dites quelque chose, vous devrez effectivement être en harmonie avec vous-même par rapport à cela. Et il se trouve être que M. Kamita Tou n'était pas en harmonie avec ce qu'il disait. Ça veut dire que soit il s'est menté à lui-même, soit il a sorti de parole en l'air. Il faudrait aujourd'hui qu'on mette sur balance. Quelle est la parole de Kamita Tou qu'on va prendre? Celle où il dit que la Cour est une bonne Cour, ou bien celle où il dit que la Cour est une mauvaise Cour, le dernier maillon de l'axe du mal? Et donc, je laisse l'opinion apprécier cela, mais seulement on constate que face à une même Cour, il a deux paroles et ça fait moins sérieux. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Et même quand ça va dans votre avantage, avoir le courage de dire que oui, c'est vrai que cette Cour-là, il aurait dit, et personne n'allait contredire, il a dit, cette Cour-là, c'est vrai qu'elle a laissé la candidature, mais je reste sceptique, ce n'est pas une Cour. Mais en son temps, il s'est délecté. Et les images sont là, les paroles sont là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tout ce que tu dis, ça reste et c'est archivé, c'est documenté. Ça fait moins sérieux. Donc, il faudrait que les gens apprennent à être cohérents et ça ferait des bons exemples pour les générations à venir. Et on construirait un nouveau type de Congolais qui sait rester objectif, même face à la divergence, même face à la contradiction. Et c'est ce qui est très, très important. Et tout à l'heure, je voulais juste dire un petit mot, parce que mon ami Bolodja a dit que non. J'ai dit qu'il n'avait pas le droit de commenter. Non, je n'ai pas dit ça nulle part. J'ai dit seulement que tu t'es soustrait du combat que tu as d'ailleurs vanté ici. Et j'ai apprécié que tu dises que tu faisais partie de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la Constitution, pour qu'il y ait des institutions. Mais tu sais que construire sans terminer, c'est détruire. Quand tu abandonnes ce que tu avais commencé, c'est là que je dis que ça s'apparente à une lâcheté. Je ne dis pas que ça t'enlève le droit de commenter l'actualité, même si dans les commentaires de l'actualité, il y a un peu... on utilise deux fois des choses à temps et à contre-temps, comme cette fameuse décision de dire que nous allons utiliser l'article 64. Mais qu'est dit l'article 64? Parce que j'ai comme impression que généralement les gens souvent évoquent l'article 64, mais sans regarder en face l'article 64. L'article 64 parle de tout Congolais qui voudrait aller prendre le pouvoir par la force ou l'exercer en violation de la Constitution. Est-ce que ici, dans le cas des figures, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre le pouvoir par la force? Nous sommes dans le train-train des institutions, dans un processus électoral où on est en train de publier les élections partielles.
les résultats partiels des élections. Et il y a des individus qui s'élèvent, qui disent que nous appliquons l'article 64. Soit ils l'ont lu, soit ils ne comprennent rien, mais c'est dangereux. Des gens qui veulent diriger la République, mais qui ne comprennent même pas le prescrit de certains articles. Parce que, ici, dans le cas des figures, il n'y a personne qui est venu. Il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas de gens qui ont fait des coups d'État, il n'y a pas de gens qui sont venus renverser. Nous sommes dans l'évolution, dans la dynamique de la vie politique où il y a élection et la Cour et la CENI est en train de publier. Et des gens se réveillent le matin, ils disent que nous allons appliquer l'article 64. Or, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, ça veut dire qu'eux, ils veulent faire un coup d'État à la République et l'article 64 peut leur être opposé à eux. C'est justement les cas de dire pourquoi ce genre de personnes, il faut éteindre leurs élans, leur velléité contre la République. Parce que soit l'article 64 est compris et on l'applique dans le contexte qu'il faut, soit on ne l'a pas compris et on rencontre la loi, c'est simple. Mais Jean Gandolo, ce problème de cour constitutionnelle, est-ce que ça aurait, on évoque aujourd'hui hein, avec les résultats partiels, ça aurait été résolu en amont, c'est-à-dire lorsque les opposants parlaient de la récomposition ou la composition de la... remettaient en cause hein, la composition de cette cour. Il fallait déjà en amont trouver une solution pour qu'ils ne reviennent pas encore sur ça aujourd'hui. Non mais écoute, nous avons vu, Fayoul aurait eu le courage de Alain Bolodja. Il a fait manquer à ses candidats députés d'être dans le procès électoral, mais par égoïsme lui-même, il est parti. Il aurait fait comme Alain Bolodja, rester, ne pas prendre la carte d'électeur, comme certains l'ont fait, même si par nostalgie, on le voit s'inviter dans les débats. Je ne sais même pas de quoi il se mêle. On a vu le secrétaire général du PPRD faire de sortie. On a vu une sénatrice du PPRD faire de sortie. Mais je crois que ça serait aussi logique de rester dans cet élan. S'il avait remis en cause la Cour constitutionnelle, s'il avait remis en cause la CENI. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, Fayoul, lui, ne parlait même pas beaucoup de la Cour constitutionnelle, ou presque pas. Lui, il s'attaquait à Kadima, même s'il a été aussi relevé beaucoup de contradictions. Une fois invité sur France 24, il a loué la même CENI. Quelque temps après, il est revenu sur ce mot. Finalement, on ne sait pas retenir. Le plus grand problème de nos aînés, de cette classe politique, c'est qu'on ne sait pas, en fait, retenir le vrai propos qu'ils disent, parce que ça change à tout bout de champ. Et même pour la Cour constitutionnelle et même pour la CENI. Et du coup, ça ne fait pas sérieux. Parce que quand vous avez une position, vous savez la défendre. Vous savez assumer, même si je dis que ça s'apparente un peu à l'abandon du combat, à la lâcheté. Mais tu assumes que je n'ai pas pris la carte d'électeur, je ne participe pas au processus. Et par conséquent, tu vas valider l'hypothèse que tu avais au départ. Mais quand tu participes à ce processus, tout en sachant que cette cour, pour toi, ça ne t'arrange pas, ça veut dire que tu as validé cette cour, ça veut dire que tu as validé cette CENI, même si, selon Alain, et la CENI serait l'émergence, je ne sais pas moi, d'un dictat qu'on aurait donné à son ami Bimoala. Je suis un peu mieux placé pour parler de l'expertise sur des questions électorales. Même beaucoup de candidats que l'on proposait, que ce soit mon ami Cyril Ebotoko, que ce soit Sylvain Lumouké, aujourd'hui juge constitutionnel, nous avons été, que ce soit avec les Jean-Baptiste Ndoundou, Alain, ton homo en fait, Alain Kipa, nous avons été tous des experts électoraux. Et on se connaît. Et si les gens sont honnêtes dans ces pays, ils vous diront que la plupart des experts électoraux ont l'ADN de Kadima. Kadima n'est pas un parvenu. Kadima n'est pas sorti des officines politiques comme Nanga ou Ngoï Moulunda, qui était cofondateur du PPRD et qui s'est retrouvé président de la CENI. Il n'était pas sorti des encablures, des accointances. Kadima, je doute même fort que trois ans ou deux ans avant que Félix Tshisekedi soit président, il se connaissait avec Kadima. Kadima, c'est un expert électoral et son expertise est connue. Et tous ceux qui ont la maîtrise, pas juste dire que je suis ami à un certain Bimoala des églises, non, tous ceux qui ont l'expertise électorale. Nous avons été en 2014 avec Cyril Ebotoko, Jean-Baptiste Ndoundou, Sylvain Lumou, sur une formation qui consistait à l'expertise sur les questions électorales. On se connaît et on sait qui est qui.
Quand mon ami Cyril était à la tête de la commission justice et paix, chaque fois qu'il y avait, par exemple, besoin pour un expert électoral, on allait prendre, Sylvain Loumou. On allait prendre Sylvain Loumou. Mais vous vous rappellerez dans ce pays, et ce n'était pas un membre de l'UDPS qui avait fait, ou un membre de l'Union sacrée qui avait fait cette révélation, c'est un imam de musulmans. Merci, qui a Idriss Katenga, qui avait dénoncé le fait qu'on a rejeté un autre candidat juste parce qu'il appartenait à une province, et on parlait de Sylvain Loumou à l'époque. Et donc, Kadima n'était pas le premier candidat. Non, c'était une parenthèse parce que nous, Kiosque, c'est une émission qui est basée sur l'actualité. C'est lui qui nous a ramenés dans le passé. On devait faire un peu aussi de l'histoire pour montrer que Kadima n'est pas une génération spontanée, Kadima n'est pas un parvenu, c'est un technicien. Et tous les experts électoraux de ce pays connaissent bien ce monsieur. Nous parlons de la marche d'une partie de l'opposition hier, Alain Bolloja. Vous aurez aussi votre temps, même temps avec Eugène Kandolo. Combien de minutes d'après vous? Vous aurez le même temps. Ok. Il ne faut pas trop se plaindre. Non, je me sens. Je vous me aurez sens ce même temps-là. Vous aurez ce problème, même temps-là. Nous parlons de la marche. Hier, en tout cas, il faut le dire, on a senti une faible participation. Il faut qu'on puisse le dire. Et c'est parce que la police. C'était déjà le matin. Très faible participation. Justement, voilà. C'est ce que je dis. La police était déjà le matin déployée, ou soit la population en a marre. Madame, dans les deux cas, cela sous-entend qu'il y a effectivement un problème. Mais je voudrais rappeler à notre ami, parce qu'apparemment, quand je l'attaquais par rapport à ses propos, il a donné l'impression de ne l'avoir pas dit. Et il est revenu en ce qui concerne nos amis du PPRD ou de l'IFCC, quelque chose comme ça. Ce n'est pas le fait de n'avoir pas une carte que ça vous prive le droit d'entrer dans le débat politique. Ils se sont invités. Non, ils sont obligés d'en parler. Parce qu'apparemment, vous voulez donner l'impression, comme si vous êtes, vous qui avez participé dans ces semblants du processus électoral, que vous avez la totalité de droits dans l'État. Non. Nous gardons nos droits en tant que tels, même si nous ne participons pas. Je l'ai reconnu. Les témoins de Jéhovah ont le droit. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas participé au vote que vous allez leur prouver le droit. Voilà pourquoi j'ai dit, au regard de votre approche, vous donnez l'impression comme si c'est vous qui avez le pouvoir de décider en dernier ressort. Et puis deuxièmement, vous insistez encore sur Kadima. Kadima était militant de l'UDPS. Albert Moleka est encore vivant. Il a reçu chez Étienne Tshisekedi quand il était encore l'un des membres de l'UDPS Afrique du Sud. Alors, comme vous ne le connaissez pas, ne prenez pas le risque d'en parler. Kadima est ami, je dirais, il a épousé la sœur de la femme du cousin de Félix Tshisekedi, Jacques, qui travaille à la présidence. D'où il ne devait pas postuler. Non, je vous dis, non, attendez, je vais vous démontrer les liens. Parce qu'il donne l'impression comme si Kadima venait du paradis, il saute directement. Non, il est connu. Kadima était consultant à la CENI. Alain Bolloja, comme non, mais voilà de pourquoi. De famille. Je pose la question aussi. Non, je ne parle pas de lien. Je vous dis vous que. Évitez de dire qu'il est. Non, Eugène, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Non, attention. Eugène, vous aurez la parole. Expérience sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous comprenez? C'est-à-dire que même s'il était expert, d'ailleurs, il n'a pas prouvé. Hein, il n'a pas prouvé son expertise, hein, parce que le premier test était la carte d'électeur. Il n'a pas prouvé son expertise. C'est un incompétent. Non seulement au-delà d'être incompétent, c'est un fanatique, c'est un militant. C'est-à-dire qu'il est là justement pour aider Félix Tshisekedi à tricher. Les autres ne sont venus qu'en appui. Quand vous évoquez le lien de Guinan, il s'est marié, ça voulait dire que peut-être aussi, même chez Moïse Katumbi, chez Fayoul, il n'y a pas des gens qui se sont mariés avec les gens de la famille des filles. Madame, moi je réagissais par rapport à ce qu'il a dit. Non, vous avez évoqué cette question. Non, mais effectivement, je réagissais par rapport à ce qu'il a dit. Okay. Il fallait lui poser cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Kadima est un proche de Félix Tshisekedi. Alors, essayons maintenant d'analyser ce qu'il fait. Cher ami, pensez-vous vraiment à un homme compétent pouvait produire des cartes de mauvaise qualité comme il a fait après trois cycles? Parce que la première carte de 2005, elle était de bonne qualité. 2006, 2011, 2015, 2017, c'était des cartes de bonne qualité. Là, au moins, on pouvait apprécier la capacité des gens à gérer. Qui a créé le système électoral? Ce n'est pas l'autre là, Kadima. C'était plutôt Abe Malumalu. S'il y a eu de faiblesse, on a eu à faire des évaluations.
En réalité, on devait avoir des élections peu contestables. Parce que nous avons connu 3 cycles. Pourquoi cette fois-ci, on a assisté à un banditisme électoral? Parce que justement, le monsieur était concentré essentiellement sur Félix Tshisekedi. Prenez, madame, l'enrôlement, la cartographie, le calcul de quotient électoral, la répartition des sièges. Ce sont des aspects techniques. Allez voir, madame, sur base de quoi a-t-il calculé le quotient pour faire la répartition des sièges? Est-ce qu'il faut encore faire marche en arrière? Mais voilà pourquoi je vous dis... des moyens. Non, mais madame, madame, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Madame, c'est très dangereux dans une république de considérer que les trains sont en marche. On ne doit pas jeter un coup d'œil derrière. Il faut qu'on revienne annuler les élections. Non, mais il n'y a pas eu élection, madame. Ça, c'est un banditisme électoral. Il n'y a pas eu élection. Le peuple n'a pas voté. Il suffit même de voir le nombre de participants. C'est moins de 50% jusque-là. Voyez-vous? Et M. Félix Tshisekedi a obtenu 7 millions de voix, d'après ce que notre ami a dit. C'est sur base de machines distribuées. Il s'est donné de voix. Alors, et il insiste encore. S'il vous plaît, madame. Allez-y. Pourquoi êtes-vous pressé? Je vous pose la question. Je dois aussi poser des questions. Non, mais effectivement, mais laissez-moi au moins le temps de faire comme il a fait. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, déjà au départ, était un produit impropre. Parce qu'il a insisté sur le programme. Quel est le programme qu'a apporté M. Félix Tshisekedi? Qu'a-t-il dit en termes de programme? Il dit, non, voilà, je prends l'exemple d'Eli Sala. Non, je commence d'abord par Mwanda, voilà. J'ai donné l'argent pour faire les travaux de la lutte contre les érosions. Et la population lui dit, c'est faux, rien n'a été fait. Il arrive à Eli Sala. Il ose encore aller dans ce sens-là. On a dit, même une toilette, même un WC, vous n'avez rien construit. Mais ailleurs, c'est fait aussi, c'est pas ça. Pardon? Il faut pas... Non, mais il a menti alors, hein. Reconnaissez qu'il a tenté de mentir parce que la population de l'Issala n'a rien vu. Alors, on vous dit qu'il est en train de faire des choses. À l'Issala, nous pensions qu'à l'Issala, il a fait quelque chose. Mais la population nous dit qu'il n'a rien fait. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun programme. Et M. Félix Tshisekedi n'est pas un candidat de qualité. Il ne suffisait question, pas seulement. C'est par rapport à la marche, mais nous étions dans la marche. Non, mais. Déjà, moi, la, en train d'atterrir. La marche, je peux prendre même 30 secondes. Ne vous en faites pas. Mais ce fait, c'est qu'il n'était pas un produit de qualité. Il n'y avait pas que Moïse Katoum qu'on devait, n'est pas accepter sa candidature, même M. Félix Tshisekedi. Parce que lorsque vous jouez sur les éléments du nom, vous perdez votre identité. Il n'y a pas de jugement qui consacre le changement des éléments du nom. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi aussi ne méritait pas. Alors, par rapport à la réaction de la population. Oui. Faible participation. Non? Faible participation, oui. Mais la population, en réalité, devait manifester. Des mineurs, a dit la police. Non, mais ça c'est une autre question. Faible participation. Non, la police, moi, je peux vous montrer les éléments de la police en train de tabasser des gens. Des mineurs. Ah, ils ont tabassé les mineurs, alors? Non, ils ont dit que ce sont des mineurs. Non, mais la vidéo que j'ai, où les policiers tabassaient des gens. Il faut faire attention avec les vidéos, hein. Non, mais la vidéo a été... C'était en direct, hein? Madame, sur les réseaux sociaux, hein. C'était en direct, il y avait des caméramans, il y avait des journalistes. C'était en direct. Moi, j'ai vu le policier tabasser des gens. Là, les inspecteurs n'en parlent pas. Et je voudrais dire un peu à la police et à l'armée. Vous êtes supposé être apolitique. Pourquoi prenez-vous la posture militante? Pourquoi vous comportez-vous en membre de partis politiques? Restez dans ce qui vous concerne. La marche était interdite, il n'y avait pas l'autorité. Non, la marche n'était pas interdite parce que la loi ne donne pas le pouvoir au ministre de l'Intérieur d'interdire des marches. Les gouverneurs. Ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris la décision, madame. Les gouverneurs aussi, parce qu'ils ont... Non, le gouverneur a pris note de la décision du ministre de l'Intérieur. Il n'en a pas le pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a effectivement un problème d'immoralité jusqu'au sommet. L'immoralité a atteint son paroxysme. Les gens ne veulent plus respecter la norme. Qui a donné au ministre de l'Intérieur le droit d'interdire une manifestation politique dans une ville? Parce que les résultats provisoires ne sont pas encore... rendu public, il faut attendre, ils vont marcher. Non, mais il n'est même pas sérieux dans ce qu'il fait. Qui lui dit que le fait seulement que vous avez participé au vote, ça suspend votre droit politique? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit de quel texte tire-t-il cette compétence? Voyez-vous? Et pourtant, c'est un juriste. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il se comporte aussi en militant. Donc, nous pensons que la population devait effectivement manifester. Peut-être que ce n'est pas pour les élections, mais pour faire partie de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il a amené l'immoralité dans notre société. Le pays est en train de
de disparaître en termes de pensée, en termes de vision, justement parce que M. Félix Tshisekedi veut imposer son dictat. Nous avons effectivement besoin de voir la population manifester. Nous avons l'obligation d'enclencher l'article 104. Allez, bon, le journal fait un baladeur, les gens qu'on a interrogés, CCTV, hein, dans la rue, la majorité, pour être objectif, dit qu'ils en ont marre de marcher. Quand il y a augmentation, par exemple, des prix de pain, l'opposition ne marche pas. Le pouvoir. Vous êtes là que pour vos intérêts. Non, vous pensez que le vote est l'intérêt de l'opposition? Qui a voté? Merci. Et puis d'ailleurs, quel est l'échantillonnage? Vous avez eu combien de personnes? J'espère que le caméraman n'avait pas porté les gilets. C'était même pas lui. Ah, c'était lui. Hein. Alors, je comprends. C'est TV objectif. Hein. Non, vous pouvez être objectif, mais le temps risque de vous assimiler au pouvoir. Jamais. Vous êtes là parce qu'on est en. Non, mais effectivement, je suis là parce que je suis là. C'est TV objectif. Bon. Alors, Jeanne Kandolo. Jeanne Kandolo, est-ce qu'on a noté la faible participation? La police a dit même des mineurs, des curieux. Vous ne voyez pas que. Manifester, c'est un droit constitutionnel. Ça aurait été mieux de laisser les gens manifester et qu'au finish, il n'y avait même pas beaucoup de gens. Vous avez vu comment mon ami Alain Bolodjo a été un peu embarrassé. Il a nuancé pour dire que même si ce n'était pas ça la raison pour laquelle il devait marcher, pour lui, la raison devrait être de chasser Félix Tshisekedi. Ça veut dire que déjà, il n'est pas d'accord dans le fond avec cette démarche. C'est pour dire en fait toute la situation inconfortable dans laquelle il était en train de défendre quelque chose d'indéfendable. Mais parce qu'il a une posture... Défendre la manifestation d'un droit politique... Non, mais tu as dit tout à l'heure que... Non, mais parce que je ne suis pas concerné directement. La raison pour laquelle ils ont marché, ce n'était pas ça. J'ai dit qu'ils devaient marcher. Justement, ça veut dire que voilà. Tu les mets en cause. Tu les mets en cause et par conséquent, sans le vouloir, tu embrasses la position que nous avons, que ce n'était pas logique de marcher. Parce que ça, c'est l'entrave même au procès électoral qui est en cours. Wow. Parce que marcher, oui, c'est un droit constitutionnel. Mais quand tu vas entraver un processus électoral en cours, et par conséquent, tu es en train de faire quelque chose d'antidémocratique, tu es en train... Là, vous parlez de quoi? D'une loi? Alain Bolodjo, tolérance. Vous parlez de quoi? Allons-y calmement. Je vais revenir parce que les élections sont organisées par une loi. Ce n'est pas en l'air que ça se fait. Et il faut voir rien que... notamment le rapport de plusieurs observateurs quant à ces. Et donc, toute personne qui, pendant le processus électoral, veut entraver ce processus, à moins que ça soit quelqu'un, parce que Alain s'est illustré en expert de détails de qui est en famille avec qui, et par conséquent, si un Congolais est intelligent et qu'il a l'expertise, et que si par hasard il s'est retrouvé qu'il a épousé la petite sœur de Alain, ça veut dire que ce Congolais-là ne peut pas exercer ses fonctions. Ce qui est quand même dommage. Ce qui est quand même dommage. Parce qu'il n'a pas remis l'expertise et la technicité de quelqu'un. Mais tout ce qu'il a à noter, c'est d'aller creuser pour savoir qu'il est le mari de la cousine, du cousin de X qui est apparenté à... Et des fois, se moche quand nous définissons la République comme ça. Donc, on cesse de définir la République par rapport aux compétences, mais on définit la République par rapport à qui est dans tel lien familial avec X et qui est de telle tribu. Et ça nous ramène vers le bas. Alors, parce que nous sommes dans l'actualité, et Alain a dit tout à l'heure, je suis étonné de l'entendre dire que bon, voilà, il n'y a pas de vision et des programmes, mais le chef de l'État avait 6 engagements qu'il a donnés comme axe de son programme. Le premier engagement, parce que s'il veut qu'on rappelle ça, même si on a déjà avancé, parce que sur base de ce programme, les Congolais lui ont donné en fait son une personne, mandat. Une voix. Alain Bolodjo. Oui, justement, une personne, 3000 voix. Alain Bolodjo. Non, en fait, faut insister. Mais tu inventes des choses, je ne sais pas sur base de ce que tu as ramassé. Tu inventes des choses pour lesquelles on peut te demander des preuves et que tu n'as pas. Parce que quand vous tu pensais que j'en ai pas. Tu as vu quelqu'un avec 3000 voix votant. On a vu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Si vraiment tu as des preuves, il faudrait les montrer. Parce que tu es un citoyen qui défend tes droits et il faudrait amener ça devant les juridictions compétentes pour prouver que on a voté. Mais moi, je t'ai dit que le jour des élections, pendant que toi, tu étais à la maison, tu es content. Moi, je n'étais pas à la maison. Des rumeurs sur les réseaux sociaux et des gens qui pouvaient sortir, je ne sais pas moi, des machines de 2018 pour constituer les éléments de l'argumentaire pour l'émission précédente. Nous, on était sur terrain et on a vu. On ne nous a pas raconté. Les PV étaient là et les gens ont capturé les PV. Les PV ont circulé.
Dis-moi où est-ce que tu as vu, en fait, ici à Kinshasa, Félix Tshisekedi a été en tête dans plusieurs centres qui ont été affichés déjà le soir de ce truc. Mais là n'est pas le débat, parce que, en fait, les résultats partiels sont en train d'être présentés et Félix Tshisekedi a obtenu, sur base d'un programme, sur base d'une vision, parce que lui en avait une et les autres n'en avaient pas. Et aujourd'hui, on lui a donné, et on est en voie, en attendant la confirmation de résultats définitifs de la CENI, il consolide sa position. Ici, on est dans une logique où on devrait effectivement protéger la République. Mais il y a des gens qui viennent avec quelques troubles au nom d'un article qui est très mal interprété, parce que j'insiste sur le fait que l'article 64 ne consiste pas à aller déranger les processus électoraux. Là, vous avez déjà l'article, oui, parce que j'ai comme impression que Alain ne l'a pas bien compris. Et l'article 64 dit ceci: tout Congolais qui veut renverser le pouvoir, qui veut exercer le pouvoir inconstitutionnellement. Et donc ici, on est dans le procès de quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne devraient pas se lever pour dire que c'est au nom de l'article 64 que nous allons. Et pour Bolodja, il fallait que ces gens aillent avec un discours, nous allons chasser Tshisekedi, au lieu de dire nous allons pour l'annulation des élections. Une contradiction qu'on peut observer. Mais qu'à cela ne tienne, la faible mobilisation, c'est tout à fait normal. Quand vous avez été incapable de mobiliser les gens pour vous voter dans les urnes, comment vous allez mobiliser les gens pour qu'ils aillent... Ça va de pair. Ça va de pair. C'est tout à fait normal. C'est une conséquence logique. Parce que s'il y avait une forte mobilisation dans les élections, on allait voir aussi une forte mobilisation. Du reste, ils ont été 5 à faire la démarche de demander cette activité. Mais Martin Fayoulou, le pauvre, il était seul. La police les autres... était là, Eugène Kandou. Non, mais est-ce que la police, pourquoi n'a pas empêché Fayoulou de quitter chez lui et les 4 autres candidats, eux, la police les a empêchés. Ils ne se sont pas présentés. Ça veut dire que ce sont des lâches. Ils ont lancé quelque chose et ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de mobiliser et ils n'ont pas eu le courage de s'assumer comme Fayoulou qui est venu là. Et encore une fois, nous avons constaté que cette incapacité à faire adhérer un grand nombre de Congolais dans leur cause a été celle qui a justifié le fait qu'ils n'ont pas su aussi avoir beaucoup de voix, parce que les Congolais en ont marre de gens qui vendent du vent. Les Congolais ont besoin de quelqu'un qui leur assure. Les Congolais ont besoin de quelqu'un qui construit quelque chose et sur lequel ils sont en train de marcher. Et ça, Félix Tshisekedi l'a fait, on a vu. Des choses qui ont été faites pendant ces mandats qu'Alain ne veut pas voir, et pourtant il a des lunettes, même si sur l'émission il n'utilise pas les lunettes, il pouvait bien utiliser ses lunettes pour voir qu'il y a des réalisations. Parce que à notre l'émission raison, est finie, l'émission devons, est finie. Compris le bon sens, beaucoup non, de non, peut-être non, parce non, qu'il est du pouvoir. L'émission, non, 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 même pas. Non, mais voilà, non, il a eu beaucoup de temps. On a commencé par vous. Non, mais effectivement, mais vous lui avez accordé beaucoup de temps. Tout le monde a eu peu de temps. Ne vous en faites pas, on va comparer le nombre de temps qu'il a pris. Vous avez un dernier mot. Ah, voilà. Ça, c'est de la justice. Vous avez un dernier mot. Madame, voici la vidéo de la police qui est en train d'arrêter un membre de l'Union Sacrée avec des machines. 3000 voix, et les gens l'ont démontré. La police est là. 3000 voix en faveur de M. Félix. Il s'appelle comment le même monsieur? Non, mais je n'ai pas besoin de connaître. Vous êtes censé le connaître, non. Parce que c'est la police qui l'a arrêté. Ça peut aussi être la manipulation. Il faut retenir. Non, mais si la manipulation, arrêtez la. Madame, s'il vous plaît. Ne donnez pas l'impression comme si on n'a pas de police. Si c'est une manipulation, qu'on arrête la police. Parce qu'il y a les policiers. Il y a l'engin, le véhicule qui est venu prendre le monsieur. Elle est là, la vidéo. Vous comprenez? Deuxième élément. Bon, cher ami, s'il vous plaît. Eugène, s'il non, mais effectivement, voilà ce que ce monsieur a une identité. Le fait que vous avez été, vous êtes concentré sur la forfaiture électorale, vous n'avez pas tenu compte de ça. Ça prouve à suffisance que même la tricherie, ça demande de l'intelligence que nous n'avons pas vue dans l'Union Sacrée. Merci. Je voudrais vous rappeler l'article 64. Apparemment, notre ami n'a pas bien lu. Lorsque vous déployez, vous utilisez les instruments de l'État, tels que l'armée dans le Katanga, la police ici, pour empêcher les gens de manifester. C'est ce qu'on appelle prendre le pouvoir par la force. Vous avez usé de votre influence. Vous avez manipulé la CENI.
Vous êtes en train de manipuler à la Cour constitutionnelle. Vous avez utilisé la police pour mater la population. Est-ce que c'est avant le déploiement de la police dans cette marche que l'article 64 a été évoqué? Tu vois la contradiction? Non, mais parce qu'ils l'ont évoqué avant même. Le problème, c'est que vous n'avez rien compris, cher ami. Vous avez utilisé les services de l'État pour mater la population. Vous avez interdit aux gens de manifester. Et naturellement, de manifester sur base de l'article 64. S'il vous plaît, interprétez mal compris. Est-ce que vous avez bien interprété l'article 64? C'est lui qui a le pouvoir par la force. Attention, le pouvoir par la force est l'exercer en collaboration. Le Congolais a le devoir de faire état à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Qui prend le pouvoir par la force? Où l'exerce en violation? La séance. Qui prend le pouvoir par la force? Où l'exerce en violation? Vous avez violé la constitution. On vous suit pas. Vous ne devez pas mentir la population. L'article 64 n'est pas cette forfaiture. Merci Eugène Kandol. Vous envoyez les gens à la voie. Merci Eugène Kandol. Il faudrait mieux maîtriser la constitution. Merci Alain Bologna. Non, apparemment vous ne la maîtrisez pas. L'émission est finie. Oh là là. Vous avez violé l'article. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci Alain Bologna. Merci. C'est à moi. Répondez quand même, non? C'est à moi les vrais. Vous avez coupé les micros. Merci à Niu Apezo, Georges Libengue, Alain Kabongomoro, Nzambe, Diekifou, à la radio, c'est Onésime Tsingani. Merci à Doudou Montir, il est coach de kiosque. Madame, monsieur, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.